Voilà. Et donc, coucou YouTube. Attends, il m'a donné combien de runes? Ah la vache! Bon, ça me fera monter facile 3 niveaux, ça. Une fois que je serai allé voir la coquine qui va améliorer mes invoques. Parce que oui, du coup, hors vidéo, j'avais mis Tiche et la mimique au niveau 8. Donc là, hop. Et hop. Et là, il me manque un muguet de niveau 9. Est-ce que j'essaierai pas d'aller le chercher pour avoir mes deux salopes au niveau 10 aussi? Parce que je crois que le muguet niveau... Ah bah non, muguet niveau 10, de toute façon, je l'ai pas. Eh ben, let's go! Maintenant, je vais voir si j'ai pas des trucs à vendre. Je pense pas, mais on sait jamais. Alors. Ah! Je vais aller voir l'augure pour voir ce que ça peut me donner, là. La mémoire de Mog, le Yandere incestueux. Oui, parce que du coup, je sais plus si j'avais dit en vidéo, mais je me dis, au début, je me suis dit chouette, du boys love, sauf qu'en fait, ben, Mikaela, c'est totalement le frère de Mog. Alors. Alors la lance, ce sera non. Bon ben... Attends, est-ce que je peux genre acheter l'équipement de Mog? Ce serait classe. Robe du Seigneur du Sang. En vrai, elle a l'air classe. Je vais la comparer avec celle que j'ai déjà. Roncier. Ah mais oui, c'est le couillon que j'avais battu dans le château toxique là. Crois que c'est ça l'histoire du roncier. Ok. Ouais, ta gueule. Alors du coup. Elle a l'air bien celle-là aussi, mais en termes de résistance magique, elle a beaucoup moins. Elle a plus de résistance physique et pas mal de et moins de résistance magique. J'hésite, parce que la résistance physique, j'aime bien quand même, c'est cool, hein. Plus d'immunité et d'équilibre, mais tout le reste est pas mal réduit quand même. Robustesse, focalisation, vitalité. Je vais juste voir à quoi elle ressemble. Oh, pas mal! Mais non, je vais la revendre. Voilà, tout ça pour ça. Bon. Et avec les points que j'ai, je pense bien pouvoir monter de quelques niveaux. Non. Voilà. Et donc maintenant, la prochaine étape, pardon. La prochaine étape, pardon, c'était de d'aller tester le géant. Honnêtement, j'ai pas trop envie de retester Rykard. Donc à la place, le pied de la forge, c'est parti. Enfin, en vrai, je pense que Rykard, je peux le tryhard. Hein. Est-ce que je ferais pas ça plutôt? Ouais, je vais plutôt retenter Rykard. Allez d'audience. Je monte mes niveaux, je rechange mes sorts, et après on sera bon. Du coup. Ah oui, facile quand même. 38 000, donc on dit 36 000, ça fait 4 niveaux en plus. Non, ça fait 6 niveaux en plus. What the fuck? Ah, ça fait 5 niveaux en plus. Ouais,
Mais d'un autre côté, il faut vraiment que je sois sûr en fait, parce qu'à partir du moment où je ferai autre chose, mais je perdrai 60 000 runes quand même. Et c'est presque un niveau complet. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais retourner farmer. C'était où déjà que j'avais gagné 15 000 runes? C'était. Ah, c'était ça. C'était les rives du lac Putéfia ou le Grand Cloître? Je ne sais plus. Je pense que c'était plus le Grand Cloître. C'était pas le lac, c'était après le lac. Donc c'était dans le Grand. De. Bref. Où j'avais niqué les espèces d'insectes de merde là et puis j'avais gagné 15 000 runes. Donc là, sachant qu'il m'en manque 10 000 pour monter de niveau, je vais essayer d'aller devant Rekard avec le moins de runes possible. Aouh! Ah bah ça commence bien. Tu sais quoi? Je pense que je vais faire comme la dernière fois. Je vais ressortir mes connasses et puis on va y aller. En plus, j'y pense, mais Tiche, c'est censé être une meuf aussi. Donc j'ai vraiment un groupe de connasses. C'est rigolo. Bon ben, désolé les filles, mais du coup, vous resterez niveau 8. Tant pis. Bon, c'est pas très très grave, mais. Je suis con en fait, j'aurais pas dû améliorer la mimique niveau 8. J'aurais dû laisser la mimique niveau 8 et mettre mes connasses au niveau 10. Ça aurait été mieux, je trouve. Et j'ai invoqué Tige. Putain, quel génie. Ah. De toute façon, je l'ai one shot avec le sabre. Donc je sais pas pourquoi je me suis pris la peine. Pourquoi je me suis pris la tête à invoquer Tige. Parce que je me suis trompé en fait. De base, je voulais aller mollo. Voilà, encore une fois, en gros, mon autre connasse, elle est là pour finir quand moi je tue pas les gens en un coup. J'ai déjà 71 000 là, donc c'est un peu plus que ce dont j'ai besoin pour monter de niveau. Voilà, un pec. Donc je retourne à l'allée d'audience, je monte de niveau encore une fois et on est y part. J'ai donc 20 minutes pour battre Rykard. Est-ce que je vais y arriver? On verra. Au pire des cas, ça fera encore un épisode nul. Ah merde, j'ai oublié de. Ah bah d'accord, ça commence bien. Alors bah les soirs concrètement, j'ai besoin que du gravier. Donc le reste, ça dégage. Montée de niveau. Voyons. Je veux un peu plus de vie. Ok. Ah, j'ai que 5 000 runes là, c'est tranquille. Tu sais quoi, allez hop. Ah mais non, mais merde, j'étais pas censé l'invoquer au premier round. En plus, elle a gâché son attaque là. Du coup, elle va se suicider dans la lave, cette idiote.
Ouais, elle a pas perdu trop de vie encore. Et puis je commence à lui faire des dégâts là. Ah! Voilà, par contre, c'est encore un combat où vaut mieux que j'ai plus de la vie, plus de potions de vie et moins de potions de mana. Tant pis. Ah! Bon bah, de toute façon. Mais Tish, elle a géré là, hein, franchement. Franchement, Tish, elle a géré. Je pense que je vais maintenir à mon plan de base et l'invoquer pour la phase 2. Parce qu'il me semble qu'en plus, dans la phase 2, il a plus de vie. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de garder... je vais éviter de me faire bouffer pour éviter de gâcher mes munitions, mes potions de soins. Ah merde, j'ai oublié de recharger. Oh là là, mais quelle horreur. Oh vas-y, tue-moi, de toute façon, cet effet était pas bon. Mais moi, si j'aurais même pas pu je peux même pas pu faire mes 9-4 quasiment. Vu qu'en fait, j'ai pas besoin de magie. J'ai besoin de magie pour invoquer Tish et puis basta. Après, en vrai, les sorts, c'est gratos. Alors, j'en ai quelques-uns pour dire, mais ça fait quand même moins de dégâts que l'épée faite pour tuer le serpent. Ah, ça commence bien. Ah putain, il a mis le poison juste à côté de la lave, cet enfoiré! Décidément. Il a l'air bien, mon petit assortiment de gâteau, là. C'est cool. Mais merde à la fin!
me suis trompé de chef. Oh putain. Pire fait que j'essaie d'invoquer Tish quand même et puis mais puis merde. Hein. Parce que là tout seul je sens que ça va prendre du temps. Voilà. Il suffit qu'il fasse ça et c'est foutu. Attends, j'ai pas essayé de sauter. En vrai, merde, je viens de penser à ça, j'ai pas essayé de sauter. Quand il fait son espèce de séisme là. C'est con, mais en vrai, ça peut marcher. Hein. Ah non, voilà, je suis censé l'interrompre quand il fait ça, ok. Utilise un petit peu de magie quand même le... Ah non, c'est l'attaque normale, c'est l'attaque super qui fait de la magie. L'attaque normale, elle n'en fait comme ça. Ah, elle a pas perdu beaucoup de vie, Tish, ça fait tout. Ok. Allez, Tige, défonce-le. Ow. Putain, j'ai eu chaud. Ah putain, j'ai encore eu chaud. En fait, c'est ça que je vous disais, son espèce d'attaque imbloquable là. J'espérais surtout avoir assez de vie pour la tanker en fait, comme je sais que je peux pas la, comme je sais que je peux pas l'esquiver. Oh non! Franchement, comme j'ai dit, je sais quand je peux battre un boss non, et celui-là, je peux le battre, c'est sûr. Genre, il n'y a pas de... C'est sans équivoque. Ahem. Thank you.
fait, je pense que quand tu améliores les cendres là, je pense que ça améliore pas leur talent, je pense que ça améliore leur PV. Parce que quand je vois la vitesse à laquelle Tish est morte la dernière fois et que là elle tente comme une bâtarde, à mon avis c'est parce qu'en l'améliorant je vais surtout donner plus de PV. Je pense que c'est ça les données. Ça c'est lourd ça. Mais alors on se rapproche mon coco. Bon ça me va. Ah merde, il m'a gobé. Ah c'est ça, on est vachement proche de la porte là actuellement. Ah! Est-ce que c'est pas la première fois qu'il fait ça? Parce que sans ça, il s'était jamais rapproché comme ça, hein. Oui, fait son poids. Moi, je suis niqué. Oh putain. Bon. Bah, je pense que j'ai encore le temps pour faire un essai. Peut-être deux. Tant que ce soit les bons. Ouais c'est ça, il m'a vachement repoussé. Comment ça se fait? Normalement il reste là-bas dans son bain de lave. Voilà. Pas de TI plus productif. Donc ça me renforce dans l'idée que t'es pas censé l'activer TI, que t'es censé l'interrompre. Ah ouais. Non, pas de séisme, j'ai dit. Bah hop, je vais reculer un peu, je fais son poison. Ah tiens, c'est marrant, il m'a moins fait de dégâts que tout à l'heure. Ça va Titi, tu t'en sors? Ouais, en fait. Merde, juste quand j'allais le soigner. Et là, ça m'a fait plus de dégâts. Pourquoi?
Okay, let's go. Allez les filles, on maintient la pression, on maintient la pression les filles. Allez, allez, allez. Récupère la quantité incroyable de 0 rune. Aouh! On dirait qu'il met que 2 coups d'épée, ça c'est bon à savoir. Ah, j'ai plus de magie, merde! Qu'est-ce qu'il est en train de me faire là? Je suis où? Mais il m'a bloqué!